Longue à longue, être sans scrupules. Personnage sans valeur. Artiste sans repère. Fibron coloré qui regorge à sa guise les caractères forestiers. Le seul artiste mendiant qui a passé sa vie à manquer de respect aux aînés. Ah bon? Et pourquoi? Par aigreur et par jalousie. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, tu me manques de respect, tu m'insultes que je suis gros comme le porc, que caca cabrin en jeep. Grand, je suis gros comme le porc, je sens. Tu as dit quand on s'assoit à côté de moi, je sens. Oui, je sens l'odeur de la chasteté et du succès. Voilà pourquoi derrière moi, il y a beaucoup d'enfants, les Izou, les Mwaminga, les Tignengue et mes frères comme les Pifo qui peuvent t'avaler à mon cou. Il suffit qu'ils disent comment. Ha! C'est toi qui avais dit que Belka Toby est affreux, non? Oui. Tu peux chanter avec Belka Toby. C'est toi qui avais dit que c'est jeu pour le lait comme ses parents. Oui. Bon, c'est toi qui insultes le petit pays qui est malade, non? Oui. C'est toi qui t'as attaqué à la reine du Bikoussi, non? Oui. Grand fou, les papas, les rabarabes, les détenteurs du pouvoir pendant depuis 30 ans. Tu passes ton temps à insulter les gens. Et alors? Les gens qui développent ce qu'on appelle la valeur de la culture camerounaise, les gens comme les messieurs Mekonso, les Chop Chop. Tu insultes les talentueux, les comédiens comme les Fingon Kalala. Tu ne t'attaques qu'au génie. Tu insultes les Steve Fa, tu passes ton temps. Voilà ton grand, voilà un frérot. Voilà Valsero, il est allé en prison parce qu'il luttait pour le bien-être de notre pays, le Cameroun. Voilà pourquoi Valsero est allé en prison. Par amour pour le pays. Toi, tu es allé en prison parce que tu as violé une mineure. Du côté de l'Europe, et tu es allé en prison. Et tu connais que quand tu pars en prison du côté de l'Europe et que tu as violé un mineur, on te viole aussi en prison. Voilà pourquoi tu es comme ça. Depuis que tu es encore en prison, tu es sorti, c'est comme si tu es un fou. Tu passes ton temps à dormir dans les snacks comme ça là. Et tu dis que Kaben Najib est sale, il sent. Oui, c'est normal, je sens, mais je roule d'ailleurs, tu es quand même des 40 millions. Tu roules dans un corbia que je connais même pas, t'as ses mains offertes. C'est une voiture que ça ne montait même pas d'abord la colline. Et... Je ne sais pas bien. Écoutez la voix de la femme, après combien d'années, oh Seigneur. Tu veux te comparer à moi? Tu as 20 ans de carrière, t'acheter des bêtises et des stupidités. Moi, c'est manqué que 5 ans de carrière, tout prouvé dans ma vie. Derrière moi, il y a beaucoup de personnes. Derrière toi, il y a qui? Point d'interrogation. Derrière toi, tu as la fabriqué quel artiste? Je m'interroge. Le seul artiste jeune que tu as fait le futur, lui, c'est une baiser des marchés. Tu as porté la marche en sa fiche, il est allé mourir par accident là-bas. Hey! Wouh! Une personne qui porte la poisse aux gens. Yeah. Et tu connais pourquoi on a pris ton passeport? Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu as contribué à la mort des personnes, il ne peut pas citer pour ça. Non, mais parlons vrai. C'est vrai pourquoi on a pris ton passeport. Tu es un criminel d'abord. Ah oui. Longue, longue, ta femme est où? Je m'interroge. On a fait le test d'ADN, on a constaté que tes deux enfants ne sont pas tes enfants, non? Ça, c'est clair. Même ta femme a ouvert la boutique à un comédien ici au Cameroun, non? Elle a ouvert un snack bar ici, un comédien. Hey! Wonderful, pas là-bas. Tu vis avec qui? Tu as deux femmes? Point d'interrogation. Tu vis dans un studio ici au Cameroun, non? Oui. C'est la vérité. Tu veux t'attaquer à Kaben Najib, c'est-à-dire que Kaben Najib m'a fait. Tu sais bien que je suis fort. Physiquement, regarde le corps, regarde bien le corps. Et que quand on va s'en coquer dans un couloir, si tu blagues, je vais bien te taper avec les mains. C'est mon nom du manque de respect que tu as fait à Lady Ponce, à Petit Pays, à Belka Toby, à Fingon Kralala, au manque de respect que tu as fait à Chop Toby. Je peux te taper seulement pour ça. Tais-toi, mort. Ah bon, hein? Oui. Je suis ton petit frère de loin, je suis même presque ton fils. Il y a seulement 33 ans. Mais comme tu es mal élevé avec la tête comme le Magoya, tu passes au temps à insulter les gens avec les défauts. Oh, Belka Toby a fait ceci. Il est affreux. Il est ceci. Longue, longue, elle est comme ses parents. Tu m'insultes mes parents que. Oh, qui t'a même accouché. La femme qui m'a accouché, on l'appelle Simène Marie Claire, à l'est à ta Claire. Elle a nourri toute une ville à Bangandé, le département d'Undi. Elle a nourri un milliardaire comme le docteur Raoul. Renseigne-toi. Hey! Non! Un chien canard, il est créé de la nature. Tu es ni les créés. Même quand on parle pour te soutenir, tu crois qu'on t'insulte toujours. C'est de ma faute si tu n'es pas allé à l'école. Point d'interrogation. Eh, petit vampire, c'est de ma faute si tu n'as pas. Moi, te manque de respect aujourd'hui au nom de tous les grands frères que tu as manqué de respect. Et on t'a regardé, on t'a respecté. On n'a pas peur de toi, hein? Ça, c'est du replicant Manosabi. Tu veux consommer des meilleurs mets africains? Tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis? Le café restaurant Le Retrouvaille chez La Route Sandra est là et vous réserve un accueil chaleureux. Sans oublier que tous les samedis et dimanches, vous pouvez consommer du bon tarot accompagné du bon vin au café restaurant Le Retrouvaille chez La Route Sandra. Le café restaurant Le Retrouvaille chez La Douce Sandra est ouvert de lundi à dimanche de 11h à X1. Téléphone 0032 465 53 38 et 66 ou encore le 0032 470 31 35 et 54. Le café restaurant Le Retrouvaille chez La Douce Sandra est situé à l'avenue Clémenceau numéro 34 1070 Anderlecht, Bruxelles. Faites un tour juste par curiosité et vous ne serez pas déçus. C'est toi qu'on a chicoté là-bas au sémil, fouetté le bas des pieds, versé l'eau sur toi, t'es fouetté. C'est toi qu'on t'a mis à genoux et tu sais ce que tu as fait de grave. Les Camerounais ne connaissent pas ce que tu fais de grave. Tu as contribué au désordre dans ce pays. Tu as participé aux guerres dans ce pays. On ne dit pas le même, mais moi je parle maintenant aujourd'hui.
Toi, tu as fait l'accident longue. C'est même pas l'accident que tu as fait. Tu m'as appelé, tu as pleuré, tu te donnes 50 000 à l'hôpital. Au fait, c'était pas l'accident que tu avais fait. Ça plaît que constater que tu as menti. Tu as joué sur l'émotion des Camerounais, on t'a aidé avec l'argent. Une tête de cochon fait l'accident. Le matin, on croit que c'est ta voiture. Directement, tu prends ta voiture, tu pas caché. Tu restes à l'hôpital, tu m'appelles, oh, Camerounais fait l'accident. J'arrive là-bas, ils voient les bandes sur toi. Je te donne ma contribution, 50 000. Tu me dis que fais le direct sur ma page. Je dis que le sauver fait le direct. Après ça, je vois seulement les infirmiers venir dire ouais, pardon, on va travailler. On détache les bandes sur toi. Et tu manques que tu avais fait l'accident. Tu manges, tu passes ton temps à faire ce qu'on appelle les actes de social. On donne l'argent, tu prends, tu manges. Tu peux te comparer à Kaben Angib. Tu as mangé mon âme combien de fois? Longa Longa est Dio, tu as mangé mon âme combien de fois? Et tu sais qu'elle va te taper si tu fais l'erreur. Moi, ne fais pas les apps pour blaguer avec. Tu es blacklisté au Cameroun. Faut pas jouer avec moi. Tes bêtises que tu fais, oh, je suis pas ton égal. Je suis franchement, tu sais que je suis fort. J'ai bagarré pour le Cameroun au Qatar. J'ai soutenu mon pays. Faut pas blaguer avec moi. Tu connais bien ça. Tu sais qu'elle va te taper. Tu es un papa, mais il va te taper. Tu sais ça. Je blague pas avec toi. Il dit au nom du manque de respect que tu auras fait insulter les petits pays, insulter les Belkatobi, insulter les Sergio Polo, insulter les Fingonkalala, insulter tout le monde au Cameroun, tu insultes les Steve, tu insultes tout le monde. Ne crois pas qu'on va te laisser. Le jour que tu vois, Arou, tu vas venir face à toi, il te parle en face, et tu blagues, il va te gifler. Et tu sais que je suis très fort, et tu sais que je suis vraiment fort. Imbécile. Idiot. Et tu parles de ma maman. Ça te parle aujourd'hui, c'est pas tu as demandé quelle maman m'a accouché, qui a accouché un gars affreux comme moi. Et c'est la dernière fois, plus jamais dans ta sale chienne de vie, tu parles de ma maman. Tu devais t'accraper dans ce snack en train de. Il était bien que gifler, longue. Il te parle maintenant comme ça là. Animal de bourse comme ça là. Il dit que je suis sale, mais mon compte bancaire est propre. En seulement parce que 7 ans de carrière roule dans les voitures chères. Ton chantier que tu as lancé là-bas, tu dis que l'immeuble, c'est l'immeuble là-bas. Un truc qui est construit sur 60 mètres carrés. Une maison hantée que tu as fait là-bas à PK12. Tu veux parler à un enfant. Si on veut parler, tu peux parler à Jean avec Abel Angib. Chion là, tu as fait prisonnier de ton état. Les pifs ont fait la prison parce qu'ils défendent les valeurs. Les valseurs défendent les vraies valeurs. Tu as fait la prison parce que tu as violé et tu viens me parler fort. Parce qu'il me dit que, oh, Cabren Angib, oh, je sens. Il dit, oh, oui, il sent. Mais regarde à quoi il ressemble. Je porte les vêtements de Nitro. Il y a l'or sur moi. Je suis dans une voiture. Regarde bien où je suis. Pas ton corbia que tu roules avec là. Tu passes ton temps à agresser sexuellement tes danseuses. Et quand on veut parler, tu parles. Toi, tu allais prendre une prostituée là-bas au Blue. Tu allais là-bas, tu voulais sucer ses fesses. Tu as oublié, elle saignait. Tu as sucé le sang et tout le monde au courant de ça. Et tu viens me parler aujourd'hui. Longue, méfie-toi, hein. Et comme tu as déclenché la guerre, allons-y. Je vais te déshabiller aux yeux du public. Et si tu réponds, c'est pas tu as parlé de ma maman. Puis jamais dans ta sale chien, il est avec la tête comme le crapaud là. Tu parles de ma maman. Ta mère que tu fais, tu insultes les artistes comme les petits pays, les détenteurs du pouvoir depuis 30 ans. Les princesses comme les Lady Ponce là, on te laisse. Les porteurs de la culture camerounaise comme les Chop Chop, on te laisse là. Les talentueux comme les Fingonkalala là. Comme tu t'attaques seulement aux gens qui chantent bien comme les Belkatobi, les Sejo Polo là. On te laisse, ce sont tes aînés là. Moi, je te dis maintenant, te laisse pas ton mot diable au Braka Bers, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire là. Ton mot diable, babillé, comme on dit souvent là. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas loin. Nagadobeo, 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 Mao. Adolphe Dominguez au Côte du Sud. Nagadobeo, Félix de Bruxelles. Nagadobeo, 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 Mao. Dieu va te payer. Dieu va te payer. Ça c'est du replicant Mano Sabi.